Salut à tous, c'est Papa de Craft, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la survie 1.9 en compagnie de notre cher ami, le cheval, qui a exactement 16 cœurs. Voilà, on peut le dire que c'est totalement pété. On est dans le village que j'ai énormément avancé parce que comme vous pouvez le voir, excusez-moi statistique, j'ai joué 10 heures à peu près. Voilà. Donc j'ai un peu avancé tout ça. Je me suis fait des nouveaux enchantements, j'ai planté des arbres pour faire un côté joli. Et attention, préparez-vous. Tadam ! J'ai refait un peu la maison, j'ai refait un peu le village. Et j'ai remis des chevaux. D'ailleurs, pourquoi il en manque un ? Intéressant. Je ne sais pas pourquoi il en manque un. Il y a des petits bugs hein, quand même en 1.9, je tiens à vous le préciser. Disons, tu restes là toi. Donc, nouveauté, j'ai fait une carte. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais on a la map en grandeur nature. Donc je vais aller explorer là-haut et en bas. Voilà. Ensuite, je me suis enchanté. Vous allez voir, j'ai des enchantements plutôt pétés. Hop là. Donc ça c'était la première armure qu'on avait. Hop là, on va. Ça c'était la première armure qu'on avait, full P2 presque. Je l'ai abîmé, genre vraiment. Ouais mais genre, casse-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Hop là. Et moi du coup maintenant j'ai ça. Sauf que le casque n'est pas enchanté. Et j'ai agrandi la maison, j'ai refait un peu le village, j'ai fait les élevages, j'ai fait la table d'enchant niveau 30. Hop là. J'ai un arc comme ça. Celui-là c'est vraiment le must hein. On a vraiment un bon arc. On a vraiment un bon arc. Et après épée tranchant 4, fire aspect et pioche efficace. Du coup ben, en fait ce que j'ai fait c'est que genre, déjà on peut se crafter la pomme shit. Du coup ça c'est cool. Merde. What? Ouais. Ellipse, je vous reprends dès que j'ai trouvé. Ah, tout de suite. Donc en fait, je viens de voir sur Minecraft.fr que la pomme shit, on ne peut plus la crafter. Il faut soit la trouver dans des coffres cachés. Et bien voilà. On sait pourquoi maintenant. Alors regardez ce que j'ai. J'ai ça. On va aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire. On va aller dans le Nether. On va se prendre nos 33 levels pour s'enchanter le casque. Une fois que j'ai les 33 levels, je vous reprends. Et on va dans la forteresse, on farm les blaze rods. Pour avoir des œils et on va essayer de trouver l'un. Peut-être pas dans cet épisode mais on va essayer de commencer à le chercher. En tout cas j'ai lancé une underpearl la dernière fois sans le vouloir. Enfin une perle de land. Et en fait j'ai un marquage, il est par là-bas. Vous voyez la flèche là? Hop. Il est par là-bas. Tout droit. Et j'ai exploré avec les bateaux et tout ça. Donc mise à jour des bateaux aussi en 1.9, je ne m'en rappelais pas. Elle est vraiment cool. Cette mise à jour, elle est géniale. Du coup ben... je vous retrouve dans le Nether dès que j'ai mes 33 levels et puis on rush la forteresse. À tout de suite. Et donc on se retrouve dans le Nether, donc juste à côté du spawner. Comme je vous aviez dit. Hop là, le spawner est juste là. Vous allez voir, juste là, hop. Donc on va tenter de pas faire n'importe quoi. Allez, c'est parti.
Ok, c'est pas mal. Super, en plus on a obtenu le succès. Succès. Manger une pomme de loge, donc faut la trouver avant. Localiser l'end. Concocter une potion. Ok, on va essayer de faire ces objectifs. J'en ai fait quelques-uns pendant que j'étais hors caméra. Hop là, allez. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais un petit abri au cas où à un moment je suis pas bien. Alors ma vie commence à être critique. On va en prendre une dizaine de blaze rod. Après on sera tranquille. J'ai commencé à prendre le coup de main sur les attaques, oui, j'arrive à bien taper quand il faut, au bon moment, j'ai le bon timing. C'est vrai qu'on prend moins de dégâts quand même avec un full P4, c'est plutôt sympathique. Parfait, il loot bien en plus, c'est cool ça. Ok, on est pas mal, on a 34 levels. Dès qu'on rentre, on se sort notre petit casque. On va essayer de localiser l'und. On va essayer de localiser l'und. Ce serait plutôt pas mal. Oulala, ça spawn en masse. Mais voilà, on est pas mal. J'allais casser le spawner MDR, je pense en UHC. Bref, bon bah écoutez, je vous retrouve à la maison, à tout de suite. Et donc on se retrouve à la base après la sortie du Nether, devant la petite table d'enchant, espérons qu'on ait un bon enchantement. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'était le fail. Bonjour. Il fallait que je renchante quoi d'autre? Un livre. Bon, je dis. Hop là. Du coup, on va faire les potes. On va en faire quelques-unes. Des gars, on a besoin de ça. Des Nether Wart. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Les alambics ont changé un peu. Hein. Alors là, on redécouvre les potions quand même. Hein. Donc, attendez, on met le truc là. Donc elles sont toujours en fiole d'eau, hein, on est d'accord. On attend que la Nether Wart fasse effet.
potion étrange. What? Apprenti alchimiste. Je me suis chié, je pense, hein, frérot. On va pas se mentir. Non, non. Non! Donc ça. Ça, c'est quelque chose qui alimente l'alambic. D'accord, ok, j'ai compris. En gros, il faut alimenter l'alambic en puissance, je pense, un bail comme ça. Vous mettez votre. Votre truc là, hop là. Vous remettez votre. Votre poudre de blaze. Ça, c'est juste pour alimenter en fait. Hop là, ouais c'est ça. On va faire des forces 2. Et on va essayer de chercher l'end. Alors je crois qu'en 1.9 les yeux ne se drop plus. Donc c'est ça qui est un peu gênant. Alors par contre l'orage en 1.9 il est pété totalement. Il tombe partout et il crame tout. J'ai cramé de. Merde, excusez-moi. Les enclos pour vaches, ils ont été. Ok, on va les faire. Ouais, ça c'est bon. On va des résifs. Non, on s'en fout un peu. Il nous faudrait quoi? Des speeds? Non, si. Bon, je sais pas. Si, si. Des speeds, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est un peu le bordel dans les coffres. J'ai pas. C'est un peu le bordel, effectivement. Là. On va faire des speeds. On va faire des speeds. On va faire des speeds. Et je vous reprends dès que j'ai fait les potions. A tout de suite. Et donc on est parti à la recherche de l'und. J'ai quelques potions. J'en ai fait quelques-unes. Il en reste encore là-bas. Donc c'est par là-bas. On va partir par là-bas. C'est parti, j'ai pris un petit bateau. Il se craft toujours de la même façon, ne vous inquiétez pas, c'est un U en bois. Génère! Ah, ça drop, cool. C'est par là-bas. Allez, c'est parti. Vous voyez, l'animation du bateau est assez sympathique. C'est vrai que ça génère un peu. Voilà, c'est cool. Cool, je les récupère. Donc là, on attend. Excusez-moi, c'est un peu chiant. Allez, voilà. Là, il a pas de drop. Allez, on est chaud, on est chaud, on va le trouver.
T'as pas drop, dommage. Putain, celui-là non plus, mais décidément, on va tous se les faire prendre là. Bon, on va avancer encore un peu. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Ah, la terre ferme. Je récupère mon bateau du coup. Parce que la terre ferme, elle est pas si ferme que ça. Hop là. Voilà, on va essayer de. Vous avez vu, les bateaux sont plus rapides qu'en 1.8. Hein. Il est loin ce Thunder. Ah! Bon, c'est pas grave. Merde, c'était par où? Ouais, c'était par là. On a ISO. Nice. Par là. J'ai envie de le trouver avec vous, j'ai pas envie de faire d'ellipse. Je veux vraiment qu'on le trouve ensemble. Ok, on va tenter ici. Super, il a pas droppé. Faut croiser les doigts pour que le portail ait les yeux. Si on a le pourcentage. Waouh! Ah, super, à la terre ferme. Ça, c'est cool par contre. Ok. Ok. Donc on va laisser notre. D'accord. On va laisser notre bateau ici. On va essayer de trouver ce portail. Je trouve qu'on avance rapidement quand même dans cette survie. On est productif. Il est quand même loin, hein, ce portail. On va se prendre du bois parce qu'il nous faut du bois. Pour faire un bateau. Et bien on va partir en bateau pour aller chercher plus loin. Alors, plein. Okay.
encore là-bas, décidément. Il est vraiment loin ce portail, hein, j'ai l'impression. De toute façon, si on arrive à y aller et à tuer l'Under Dragon, on va pas y retourner 25 fois. Hein. Je pense qu'on va aller chercher les Elytra tout de suite. Et visiter les temples Shulker tout de suite. Wow, des grands arbres. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux biomes un peu. C'est quoi ça comme biome? C'est un river. Ok. Bizarre. On va vraiment essayer de se rappeler du chemin, ça va être assez compliqué. Le retour sera plutôt long, je pense. Si on trouve un autre biome, ça pourrait être bénéfique hein, d'un côté. De la canne. Hein. Bon, on va regarder maintenant où on en est. Ah. C'est par là. Cucu les loups. C'est par là. On va reculer un tout petit peu. Attendez. Ok. What? L'œil il a drop bizarrement là-bas. Ah ok, il est là. Peut-être qu'avec des bugs de chunk. Je ne comprends pas la génération, hein. Franchement je ne comprends pas. Bon, même si les chunks sont. Même si les chunks sont petits, sont pas très élevés. Non, non, voilà, arrête-toi. Il nous en reste qu'un. Faut vraiment qu'il drop au prochain. On va être par là là. Non? On est arrivé par là, ça va être par là. Drop, s'il te plaît. Oui. Je vous préviens, si on a pas d'œil, moi je repars pas à la base pour aller faire les yeux. J'essaye par là, je creuse. Hein. J'essaye. Ok. What? Oh non, j'ai pas vu. Bon, mais je vais aller voir en dessous. Ah ben voilà. C'est parfait. C'est good. Donc on peut noter que le Lund est en moins 1812. Mais écoutez, c'est cool. On a déjà trouvé Lund. C'est parfait. Moi je suis content. Les biblios, bah écoutez, que demande le peuple. Mais le portail est là. Et il y a déjà un œil. Ok, bah écoutez. Moi je me rappelais pas que c'était aussi chiant. What? J'ai drop ma pioche. Il
quand même assez géant ce. Ce Stronghold. Bah écoutez, on a le Stronghold. On a le Stronghold, il nous manque 11 œils pour l'activer. Je pense que soit on rentre à pied à la maison, ou alors on fait un coffre, on se suicide et on revient plus tard quand on a les œils. Je pense que ça peut être une idée. Je sais pas trop, j'hésite un peu. Je sais pas trop. Dommage qu'on ait pas les yeux parce qu'on aurait limite pu y aller maintenant. On est bien stuff, on est full P4 et tout. On a des bonnes. J'ai un arc infinity et tout, du coup c'est plutôt cool. Vraiment pas mal. On va remonter. Je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. Pour la prochaine épisode, on va essayer de. Je vais essayer hors caméra de choper les yeux. Sinon, dans tous les cas, il faudrait quand même qu'on retourne à la base parce que. Parce qu'on n'a pas. On n'a pas les poutres de Blaze. J'aurais dû les prendre. Dans tous les cas, je pense que je me suiciderai. Je mettrai mon stuff dans un coffre et je me suiciderai. Pour aller chercher tout ça. Juste avant, on va aller regarder ce qu'il y a dans la bibliothèque. Où est l'échelle? Le coffre est là, ok. Oh, oh, pas mal tout ça. Bah écoutez, on va s'en arrêter là pour cet épisode. On se dit à plus pour l'épisode 5. J'espère que vous allez aimer la 1.9 et que nous allons bien réussir à trouver ces œils de Lund. Et pour le prochain épisode, on va essayer d'aller dans l'Under. Allez, je vous dis à plus pour l'épisode 5. Ciao, ciao.